tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur The Crew 2 pour une nouvelle semaine des nouveautés. Alors, oui, je suis pauvre, c'est parce que j'ai acheté la nouvelle voiture disponible aujourd'hui, la Chevrolet Lowrider Impala Naranja Edition. Alors, j'ai dit ça dans le mauvais ordre, mais voilà, du coup, disponible au prix de 228 000 bucks, je pense, si vous avez le Season Pass. Du coup, la particularité de ce véhicule, comme vous avez pu le voir au début de vidéo, avec la touche L3, donc le joystick, si on le fait aller vers le haut ou vers le bas, la voiture commence à se lever et s'abaisser. Alors je pense qu'on appelle ça Lowrider, ou peut-être que je me trompe. En tout cas, c'est quand même assez cool, première fois qu'il y a ça sur le jeu, et ça donne quand même plutôt pas mal. Du coup, là, je vous invite vraiment à acheter cette voiture, à l'essayer et à me donner votre avis si vous aimez bien ce nouveau système, à voir si ça débarque sur d'autres voitures, mais ça m'étonnerait. En tout cas, voilà pour ce nouveau véhicule. Alors, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est la petite lampe ici qui s'allume quand on allume les feux ou quand l'on freine. Alors, du coup, je vous montre l'intérieur du véhicule. Donc, voilà, l'intérieur très classique, très simple, mais ça, c'est même. Voilà, c'est pas le plus beau, mais c'est pas moche non plus. Dans un vieux style. Donc voilà pour la nouvelle voiture de cette semaine. Alors ensuite, dans le défi des hobbies, nous avons conduire une Porsche Carrage GT Hypercar en formation en free ride. Donc du coup, en 4 étapes, faire un wheeling, effectuer wheeling avec une KTM 1190 RC8R Touring Car à Los Angeles, en plusieurs étapes aussi. Léopard rugissant. Passer du temps à utiliser les nitros avec Proto Léopard Jet Sprint en free ride. Terminer les 9 épreuves du Summit. Équiper une fumée sur une Lamborghini Aventador Drift. Du coup, voilà pour les défis hebdomadaires qui sont quand même assez simple, on va pas se mentir. Encore une fois, merci à tous ceux qui me soutiennent avec mon code créateur Jabello93 dans la boutique. N'oubliez pas aussi le petit like, c'est gratuit, ça soutient la chaîne, et à partager si la vidéo vous plaît. Alors, nous avons le Welcome Pack qui est toujours là pour 20 000 pièces CC. Le pack de cette semaine avec tous les véhicules qu'on aura besoin pour le Summit. À l'intérieur, nous avons normalement la Mitsubishi Eclipse GSX de 1999, la Porsche Carrera GT de 2003 en hypercar, la Lamborghini Aventador de 2012 Drift, le Proto Léopard Jet Sprint et les KTM 1190 RC8. Voilà, j'ai tous les véhicules, du coup on peut pas avoir le pack. Alors on a un pack Naranja à voir pour 33 000 PCC. On a du coup la voiture, de la fumée, le nitro et un néon, tout dans la même couleur. Ici c'est déjà vu dans la boutique. Nous avons un nouveau klaxon. Sont très connus, qui est plutôt pas mal, mais je pense pas l'acheter. Alors on a aussi un nouveau nitro multicolore. Voilà, on a Action Trap Banner pour 20 000 pièces CC. Qui ressemble un petit peu à l'autre, mais en plus rimé. Nous avons aussi les menus
incrustée, la fumée couronne que j'ai déjà et les têtes de vitres étoiles pâlissantes. Du coup, pour les summits, on peut voir que prochainement on aura le Nid High Ride qui ressemble à Pimp My Ride. ça y ressemble. Enfin, bref, de plaisanterie. On peut voir que du 14 au 21 octobre, on aura la Suède mise en évidence avec en platine la fumée esprit suédois qui a l'air plutôt stylé, en or des nœuds Enduryx bleu, en argent des pièces légendaires boostées et en bronze des packs notoriété de 300 000 followers. Du 7 au 14 octobre, on aura droit à en platine un néon Underglow, encore des pièces boostées en or, en argent des pièces pour la Lancer Evolution X de chez Mitsubishi et en bronze 300 000 followers. Du 30 septembre au 5 octobre, Itsy Bitsy platine nitro ondulée en or, la Barthe 500 en argent des pièces légendaires boostées et 300 000 followers, avec comme épreuve un éclat de bouée, un slalom et encore un autre slalom avec aucune restriction, de l'Overcraft avec de Bumblebix, sûrement un nouveau qui sortira. Je ne sais pas s'il est déjà sur le jeu. Une preuve de Monster Truck avec la barre 500, du Touring Car avec le Copper, la Street Race avec la Beetle, la Air Race avec le JBR1 et du Rally Cross avec le Rally 037. Et pour cette semaine, nous avons une fuite, une aérobatique et un slalom avec aucune restriction, une épreuve de live extrême, pardon, avec aucune restriction, du Touring Car en 4e, de l'hypercar avec la Carrera GT, une épreuve street race avec un véhicule prêté, du drift avec l'Aventador et du jump sprint avec Léopard. Du coup, voilà pour les nouveautés de cette semaine. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Si vous avez plus d'infos ou quoi ou d'autres astuces, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit like, vraiment, si la vidéo, voilà, vous est utile, ou si vous m'aimez bien, tout simplement, ça fait toujours plaisir. Du coup, voilà, encore une fois, merci à vous de me suivre. Passez tous une agréable journée. C'était Jabello. À la prochaine.